Rosalina, bon mot, yinamo, kiloyoyo. Bon mot, bienvenue dans le Seigneur, shalom. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci. Nous sommes là pour la lecture du monde des circonstances. Organisation chrétienne Epidei. Conférence et témoignage du dimanche 27 mars 2022. Monde des circonstances. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers ministres des dieux, autorités tant civiles, militaires et policières, chers présidents du Conseil national de la jeunesse, congolaise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, réunis en ces lieux, dans ces beaux cadres de l'Assemblée des Serments, dirigée par le pasteur René Franck et l'ensemble de son équipe. Shalom. Si nous sommes réunis en ces jours, c'est pour une conférence organisée par une structure appelée Organisation chrétienne Epidéis, OCHD en sigle. Nous tenons à remercier premièrement les créateurs, Dieu Tout-Puissant, pour avoir rendu possible cette rencontre et nos sincères remerciements aussi à ceux qui nous ont soutenus spirituellement, matériellement et financièrement dans nos préparatifs. La dite conférence a pour thème les acquis de l'amour du prochain, qui sera subdivisé en deux parties. La première partie sera exposée par un serviteur de Dieu, le révérend pasteur Amba Louéa, pasteur de l'église Les Germes qui voilà, sur la généralité de l'amour du prochain. Et la deuxième partie par Monseigneur Philippe Léman, l'évêque général des églises Patmos du Congo et président de la plateforme Bomoko qui réunit tous les pasteurs de Lukunga, lui va nous démontrer sur les acquis de l'amour du prochain. Après sera suivi par une série de questions, commentaires et témoignages de l'auditoire dirigé par la sœur Pierrette Adeda. Enfin, nous passerons à un petit moment de rafraîchissement et le mot de la fin par les coordonnateurs de l'organisation Frère Jordi Mampuelenge Lungal. Pour une explication brève de l'épidémie associée avec quelques mots de la part de nos invités. Vu les désintéressements des gens vis-à-vis des personnes démunies ou vulnérables dans la société et les manques de joie et de considération dans lesquels elles vivent, constata le dégoût de la vie qu'elles éprouvent. Motivée par la nécessité de redonner sourire aux personnes délaissées, pauvres, orphelins, veuves, personnes vivant avec handicap, etc., etc. Motivée par la nécessité de communier avec eux, en fait d'alléger leurs souffrances quotidiennes, convaincu que de telles activités peuvent réveiller les sentiments de l'amour du prochain et enfin soulager tant soit peu aux problèmes sociaux dans nos communautés ou dans notre communauté. Constatant aussi que
Le vrai amour du prochain est en train de disparaître dans le cœur de plusieurs. Il a été créé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, conformément à la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001. Cette association sans but lucratif, dont son siège est établi, signe sur l'avenue Makwala numéro 1, quartier Mouchi, CPA, dans la commune de Mongafula. Référence Kadeko, ou les bureaux SNEL de Mboudi, juste à côté ici. L'organisation chrétienne Epidéis a pour but de restaurer la joie de vivre, l'amour de l'homme envers son Créateur et envers son prochain en tout lieu et en toute sincérité. Travailler pour la restauration des sentiments de gratitude dans nos sociétés remplies des ingrats, transformer ce monde de consommation ou de cupidité à un monde de compassion, accompagner, assister, soutenir, aider, conseiller et consoler les orphelins, veuves, malades, prisonniers, démunis et tout autre nécessité étant des personnes qui ont besoin aussi de vivre comme nous malgré leurs états physiques ou situations ou réflexions, mais aussi l'expression d'une vie vécue et la description de l'amour reçu durant des très longs moments ici de nos familles, aussi bien de l'environnement chrétien. Raison pour laquelle cette organisation est créée pour travailler afin d'accomplir ce but si précieux dont personne sous cette terre ne peut se passer outre. Car nous sommes tous les fruits d'un amour donné. Nous nous adressons aux hommes et femmes de compassion réunis en ces lieux, conscients de leur pèlerinage sous le soleil, où tout est vanité, ayant la parfaite connaissance des comptes que nous rendrons au Seigneur un jour. En ce qui sera dit tout au long de cette conférence, et demandons votre participation active pour la gloire de notre Papa Céleste, Créateur de toutes choses invisibles et visibles, lui qui est au-dessus de tous, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, sous les eaux, en puissance, en richesse, en grandeur, en amour infini, et en qui sommes tous, pour les uns, ses créatures, et pour les autres aussi, ses enfants, par la nouvelle naissance. Que ce Dieu Tout-Puissant règne au milieu de nous en cet après-midi, que l'ordre et la bienfaisance nous soient acquis par sa présence tout au long de ces moments si précieux, au nom de Jésus-Christ. Vive Jésus-Christ, l'expression de l'amour de Dieu pour le salut de l'humanité et notre modèle de l'amour du prochain. Je vous remercie. Merci. À présent, nous passons à l'ouverture solennelle de la conférence qui sera présentée par les frères Jordi Makwele, mais lorsqu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Shalom, shalom. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, nous voulons encore rendre grâce à Dieu pour avoir permis que nous puissions nous rencontrer ce soir.
savez, Bandeko, vous pouvez ça un programme. Vous les bêtis toute la journée, mais le Dieu qui a permis cette rencontre, il sait pourquoi il a permis cela. Amen. La carte n'a biso, ils ont la moto moko, ils ont bien, elle nous a sali la bolamo. Mais bolamo en haut, et Bandeko dépend de ma cambo yo yo kana pokalilo. Il y a une vie qui sera bénie, qui sera élevée, qui sera remplie de toutes sortes de bénédictions de Dieu. Mais cette vie-là, pour aussi mamo, ce qui kaka, Dieu connaît tout, il sait pourquoi tu es venu en ces lieux. Malgré outil culte, ma fatigue, outil moussala, mais na lingoza le paix à l'aise, pour se sentir que tu es dans la maison de votre Papa Céleste. Amen. Donc, sentez-vous à l'aise, et sur ce, nous déclarons ouverte cette conférence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon monsieur Bébi, vous l'avez là, mais aujourd'hui, vous l'avez vous a restauré. Amen. Amen. Parce que je sais qu'au travers de bouche de nos pères, Dieu va encore nous parler. Amen. Et la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Je sais que le Saint-Esprit est parmi nous, dans le corps de nos papas pour nous communiquer quelque chose. Amen. Amen. Sans tarder, nous allons passer à la présentation des conférenciers qui sera faite par notre maman, maman pasteur. Il y a le pasteur maman et le maman pasteur. Elle est maman pasteur, donc la femme du pasteur. Amen. Qui nous sera présentée par maman pasteur Pierrette. Lorsqu'elle s'avance, nous acclamons le Seigneur très bien. Nous acclamons le Seigneur très bien. C'est le mois de mars. C'est le dernier dimanche du mois de mars. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? On peut applaudir pour eux? Voilà. Bienvenue, maman. Merci. Qui a permis que nous nous retrouvions encore en lieu pour la dite conférence? Alors, il a plu à Dieu pour cette conférence de choisir deux hommes de Dieu qui parlent super bien. De nous diriger, de nous guider dans cette conférence. Amen. Je les connais très bien. Ils ont eu la grâce-là d'être choisis. Comme moi aussi, j'ai eu cette grâce-là d'être choisie en tant que maman, comme c'est le moi aussi de la femme, et de participer à la modération. Eh bien, nous venons de suivre le discours de notre frère. Il a presque tout dit. N'empêche que nous puissions voir quels sont ces pasteurs-là, parce qu'on nous a parlé pasteur en bas, pasteur même, nous devons le connaître et le vivre, quoi. Alors, sur ce, nous passerons par la présentation de notre révérend pasteur Amba Luemba. Alléluia. Et nous avons encore notre évêque, Monseigneur Philippe Lema, qui pourra se mettre debout, toujours sous nos applaudissements frénétiques. Alléluia. Notre papa, Monseigneur Philippe Lema, est l'évêque général des églises évangiles patrons de la RDC. Bien, alors nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Nous savons que c'est dans des moments comme ça, Seigneur mon Dieu, que tu sèmes la connaissance dans la vie de tes enfants. Je voudrais que tout ce que nous allons faire ici, Seigneur, que ce soit pour l'honneur de ton nom. Assistez-nous, que le Saint-Esprit soit au début de tout ce que nous allons dire, au nom de Jésus. Amen. Bien. Je crois que le modérateur a dit, il a déjà en fait orienté notre sujet. Je sais que des moments comme ça ne sont pas vraiment organisés dans notre quartier. Cependant, la jeunesse devrait profiter. Moi, je pensais que la salle allait être à Chicon par des jeunes. Parce que ce que nous allons dire ici concerne plus notre jeunesse. Nous avons déjà fait notre temps
Christine. Et c'est vous, en principe, qui devrez prendre la relève. Et si cette relève n'est pas préparée, je me demande comment est-ce que nous allons continuer cette œuvre. Nous devons aimer la culture. La culture est très, très, très importante. Hier, j'ai eu à échanger avec les organisateurs. En fait, dans les recommandations, ils m'ont posé des questions sur, autour de ce que je devais dire. Moi, je vais parler sur le concept amour du prochain. Et mon confrère qui va venir, lui, il va parler des acquis de l'amour du prochain. Je ferai un effort, en fait, de ne survoler que sur les concepts, pour que nous puissions nous tous avoir le même entendement. Et lorsque j'ai échangé avec les organisateurs, on s'est demandé au fait, est-ce qu'il faut se lancer dans la science? Est-ce qu'il faut rester carrément dans la Bible? Alors on échangeait, on cherchait des voies et moyens en fait, pour canaliser ce que nous allons faire maintenant. Alors, j'ai trouvé une voie. Cette voie, nous allons toucher la parole de Dieu et nous allons aussi toucher à la science. Amen. À la science, cela veut dire, je suis allé fouiller pour comprendre exactement le thème qui m'a été donné et j'ai tiré pour nous tous notre travail que nous allons faire ce soir sur la réflexion philosophique d'un groupe de chercheurs qui ont mis en place un cours. Et je voudrais que nous puissions partager ces trois points qu'ils ont considérés comme étant un cours. Faisons un effort de comprendre. Je parle au premier plan de l'amour de soi. Deuxième point, je parlerai de l'amour. Est-ce un devoir? Troisième point, je parlerai de l'amour du prochain. Un concept toujours qui est d'actualité. Et enfin, je terminerai par cette petite conclusion. Aime ton Dieu comme toi-même, ou aime ton prochain comme toi-même. C'est la règle d'or qu'a formulée Jésus et qui ramène les 10 commandements de Moïse à un seul, l'amour du prochain. En effet, comme l'apôtre Paul le rappelle, celui qui aime autrui a de ses faits accompli la loi. Le précepte, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se résument en ces mots, aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que l'amour de soi? L'amour de soi est une longue route qui passe par le respect de soi, une somme de petites attentions que l'on se porte. L'amour de soi passe aussi par la pacification de nos conflits, ces conflits qui nous agitent et qui nous transposons inconsciemment dans notre couple, notre famille, notre entourage, notre travail. L'amour que l'on se porte se transpose directement dans nos comportements avec les différentes personnes que l'on côtoie. Pourtant, l'Église, à travers de son histoire, parfois encouragée, ce rejet de soi. Le rejet de soi, en fait, nous voyons le passage de la loi mosaïque à la nouvelle loi libératrice
par bien des aspects, installe une quiétude qui va déraper dans la haine de soi et de sa propre chair. À force de culpabilisation des plaisirs les plus naturels, pas seulement le sexe, mais aussi le plaisir de manger et même le plaisir de rire. Un prêtre, l'abbé de Rancé, réformateur de la Trappe, au XVIIe siècle, ira jusqu'à interdire à ses moines les travaux intellectuels parce que l'étude détruit l'humilité. C'est probablement vers le XVIe siècle, le XVIIe siècle, quand l'Église est à la bouche de sa puissance, que l'on trouve les exemples les plus impressionnants et les plus valorisés. Par Rome, d'hommes qui s'est rejeté totalement. Un ouvrage du dominicain, Louis de Grenade, qui prône la sainte haine de soi-même, aura 476 éditions entre 1584 et 1904. Saint Vincent de Paul se traite d'abomination et à la fin de sa vie, il déclare « Toutes les actions que j'ai faites ne sont que péché. Je ne suis qu'un fumier », écrit aussi un autre prêtre, Saint Ignace, qui se fouette de chair à pointe, se frappe la poitrine avec une pierre et demeure une semaine entière sans manger. Je me dis, c'est une contradiction. Comment aimer son prochain si on ne s'aime pas soi-même? Si on y voit seulement un constat, on ne peut qu'admirer l'extraordinaire lucidité de ces hommes qui, voici 2000 ans, ont compris qu'on ne peut aimer son prochain que comme on s'aime soi-même. Si je m'aime mal, puis-je aimer bien mon prochain? Si je me déteste, puis-je aimer les autres? Un autre penseur dit ceci, c'est un monsieur Nietzsche, lui dit ceci, l'amour du prochain revient de la manifestation des natures dégénérées, ayant perdu tout instinct d'affirmation de soi et cherchant à compenser les insuffisances individuelles dans la chaleur des rassemblements des semblables. C'est par inaptitude et l'indépendance que ces natures se rassemblent. Derrière l'instinct de majorité se cache le refus de tout ce qui est inhabituel, la peur de l'exception. C'est toute la morale judéo-chrétienne, la vertu de pitié ainsi que les cultes de l'égalité qui sont diagnostiqués comme réflexe de bêtes dégénérées. Comme on l'a dit, l'homme retranscrit dans sa relation avec les autres la relation qu'il entretient avec lui-même. Nous sommes nombreux à nous aimer si peu. Sans le vouloir, nous sommes une large majorité à aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire très mal. Deuxième point, l'amour. Est-ce un devoir? Cette formule, si on la prend comme une prescription, peut sembler naïve. On peut exiger un acte, mais un sentiment peut-il se commander? Alors, à partir de là, pourquoi l'amour du prochain est-il exigé comme étant un devoir? Il apparaît difficile de prétendre aimer son prochain comme soi-même. Il y a une distance infranchissable, radicale entre cette étrange chose qu'est l'autre et moi. Il le faut pourtant
C'est Dieu lui-même qui l'ordonne. Commandement de Jésus-Christ. Cet impératif est même souvent interprété comme un résumé de la parole chrétienne, de la morale chrétienne, fondamentale dans notre civilisation. C'est par amour de Dieu que l'on doit aimer son prochain, car nous sommes tous ses créatures, donc tous aimables. Aimer l'autre est un précepte moral. Ceci est terrible, car on ne peut pas commander d'aimer puisque l'amour ne se commande pas. Alors on triche. Chacun étant supposé s'aimer soi-même doit détourner cet amour et reporter sur d'autres. La morale suppose cette contrainte de la volonté. Il faut tendre vers cet idéal inatteignable. La formule est trop contradictoire. On force les choses, mais en mettant sur le même plan l'amour de soi, l'amour des autres. L'amour de soi suppose l'intérêt et la focalisation sur toi. Comment concrètement aimer quelqu'un comme soi-même? Il est très difficile de mettre cette formule en pratique. Alors, pourquoi s'y rapproche-t-on? Comment se fait-il que l'on veille, depuis des milliers d'années, faire de l'amour un devoir? Pour moi, il faut le désirer pour autrui. Tout le bien, toute la considération que je me souhaite, il faut le souhaiter pour mon prochain. Mais en retour, le bien que je le veux, je dois le voir pour moi aussi, plutôt qu'un sacrifice. On aperçoit une égalité idéale et une équivalence parfaite des devoirs envers les autres et le devoir envers soi. L'amour du prochain, un concept toujours d'actualité. Qui est le prochain? Tout homme, à ce qu'il parle, y compris le lointain. Tous les hommes en général. Or, il est évident que j'aime plus le proche. C'est donc la proximité immédiate qui doit servir de modèle à l'amour du prochain. Cependant, on remarque à l'heure actuelle que de plus en plus de gens partent à l'étranger à l'encontre de la misère afin d'apprendre ou d'aider, comme par exemple dans les cadres de missions humanitaires en Afrique. Or, souvent, ces mêmes personnes ne se soucient guère de ce qui se passe dans la maison d'à côté, ou encore de la misère qui sévit à quelques mètres de chez eux. Chacun aide donc son prochain dans le meilleur des cas, en choisissant son prochain. L'universalité de ces préceptes a aujourd'hui disparu. Ces penseurs, Nietzsche explique dans les Légué savoir que Dieu aime toujours. Dieu a installé cet amour par la voix de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Par le fait que tous les hommes sont fils de Dieu, sont donc frères. Il doit exister entre chacun une relation fraternelle basée sur l'amour. Il n'est donc pas étonnant que ces préceptes soient actuellement mis à mal, car il ne trouve plus de justification en effet. Pourquoi un homme devrait-il s'obliger à aimer son prochain s'il n'a rien en commun avec lui? Cela témoigne d'une évolution de la signification de ce précepte qui est passé d'un dogme de la religion. Quand je parle de dogme ici, je vois des vérités indiscutables définies par l'autorité compétente, c'est-à-dire l'objet de foi. Comme conclusion, comme nous venons de le voir, avant de penser à aimer autrui, il faut d'abord s'aimer soi-même, ce qui est un processus très délicat que le devoir que le précepte impose, c'est lui d'aimer son prochain
Ça peut sembler être difficile à mettre en pratique. Ça peut apparaître des fois impossible, mais nous sommes contraints de manifester ces sentiments. Ce commandement est nécessaire. Nous devons aimer et alors aimer. Parce que si nous aimons, nous pratiquons réellement ce commandement. J'ai dit et je vous remercie. Et voilà. Et chacun de nous garde ses questions, des commentaires. On y arrivera après. Et là, sans plus tarder, nous invitons directement notre deuxième intervenant, Monseigneur Philippe Lema, l'évêque, qui nous parlera sur les acquis de la mort du prochain. Je dois m'acquitter d'un devoir. Absolument. Avant de vous remercier, vous qui êtes là, sans vous, il n'y aurait pas cette conférence. Je voudrais commencer par les organisateurs qui ont conçu ces concepts. Je parle des collaborateurs. J'ai suivi les discours du pasteur Roger. Je remercie notre frère qui était à la modération. Il était tout fort vivant. Et merci, maman pasteur. Je voudrais remercier l'Assemblée. Et que mon Dieu vous bénisse. La science est très bonne. Mais la science, selon la Bible, elle vient de Dieu. La science. Vous avez écouté ce que le pasteur a dit. En quelle langue devons-nous parler pour mieux communiquer? Parce que l'amour doit être exercé par l'homme. Il faut que l'homme comprenne ce qu'on est en train de dire. Raison pour laquelle je voudrais, sans passer par le modérateur, demander à l'Assemblée, est-ce que vous m'autorisez de temps en temps de pratiquer la langue de ma mère en parlant à Lingala, en parlant à Kikongo, en Swahili, tout comme vous voulez. Est-ce que vous m'autorisez? Acclamons le Seigneur de gloire. Je tiens à vous remercier parce que sans vous, cette conférence ne devrait pas avoir lieu. Nous allions simplement dire aux organisateurs, mais que devons-nous faire? Je pense que la réponse comme aujourd'hui parle est bien. Il allait tout simplement dire, papa, prochainement. Parce que le prochainement, on devrait avoir la voix, la volonté de venir. Je suis arrivé sans monde. Quand j'étais dans ma chambre en train de m'habiller, Jordi m'a appelé, le cordon m'a appelé pour dire, papa, on a déjà commencé. J'allais venir sans chaussures. Parce que vous n'avez pas besoin de mes chaussures, vous avez besoin seulement de ce que je vais dire. Alléluia. Amen. Que cela me tienne, nous sommes là et de partager. Au fond, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est d'amour, a déjà été dit. Comme qui dirait, que devons-nous dire donc pour le manisous mini, parce que si pas l'obi, pas qu'un mot, nuance. Mais ce qui est important, c'est que l'amour, comme il l'a défini, premièrement, c'est l'homme lui-même. Comment voulez-vous un homme qui ne sait même pas laver sa chemise? Un homme qui ne sait même pas laver sa bouche? Un homme qui ne s'aime pas lui-même? Par lui, il va commencer l'exercice de l'amour pour commencer à aimer autrui. Ça fait une fierté. Quand un homme s'aime soi-même, ça fait une fierté. Ce qui nous a dit comme il y a des hier encore. Parce qu'il ne connaît pas cet exercice-là. Alléluia. Alors, je suis très à l'aise parce que cette conférence n'a pas été organisée dans une des salles quelconques, mais à l'église. Et je suis très content et fier, à l'aise. Pourquoi? Parce que l'auteur de l'amour est amour lui-même, donc est Dieu.
moto atiti biso to sala bolingo to sala la bolingo ye moko asa bolingo et motango zambe. Prenons l'exercice de la création bien-aimée dans le Seigneur. Vous savez, quand nous lisons la Bible, même Moïse a eu des difficultés de présenter Dieu. Vous le savez, la première personne qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible, il s'appelle Moïse. Il a eu des difficultés de présenter Dieu. Voilà comment il commence sa Bible. Au commencement, Dieu. Mais qui est Dieu? Si nous entrons dans la conférence d'aujourd'hui, pour qu'on dise qu'au commencement, l'amour, est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Donc on dirait presque au commencement l'amour. Et l'amour a créé toutes choses. Alors il présente l'amour, il présente Dieu qui crée toutes les choses. Non seulement il crée toutes les choses, mais il les présente comme existant. Donc l'amour doit exister et Dieu existe. Mais il est présent comme un Dieu qui agit. Quand il dit au commencement, Dieu créa. Donc, il présente un Dieu qui crée. Et donc, un Dieu qui existe, un Dieu qui agit. Si réellement nous croyons que Dieu est amour, je ne dis pas Dieu a l'amour, mais je dis Dieu est amour. Et donc, l'amour doit être agissant. Sengeli Bolingo et Sala. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Par manque d'amour, la société se brise. Ils sont tous en train de se faire. Mais Mokenina Lola, Mokenina Mabele, écoutez ce qu'il dit. Créons l'homme à notre image. Tout ça, la moto, Asala, le Lengue, la mission. Donc, on a biso. Quand il dit le la biso, non, il parle de la Trinité. Oh, biso, Dieu, son nom est dans la diable. Nana Zana Bolingo. Conférencier, Nana Zana Bolingo, on a monté Manaïe. Avant, il y a Zate. Alors, si, na, ah, pasteur, Zana Bolingo. Si, oh, pasteur, Nana Lina Zana Bolingo. Si, on a Lina Bolingo, pasteur, Nana Zana Bolingo. Je vais être semblable à toi. En tout cas, nous allons appeler à nous, à la dégâts, nous allons appeler à nous, à la dégâts. Bien aimé, c'est très important. Tu ne peux pas assumer. Tu ne peux pas assumer des fonctions. Ou comme un premier ministre, aux gens annoncent que Oyeba, que quand il y a dose d'amour, les amis, que Dieu est en toi. Ou comme un ministre, ou comme un PDG. Alors, si nous sommes dirigés par des hommes qui n'ont pas Dieu, l'absence de l'amour, je ne parle pas de notre pays. Je suis conférencier, je suis en train de parler, c'est comme si j'étais à Genève, amen. C'est comme si j'étais à Washington. Amen. Je parlerai de la même manière. Oui. L'homme le plus puissant, Dieu tout puissant, il dit tout ça la bateau, pas à la mort la bisou. Tout ça la moto, pas à la mort la bisou. Peut-être le ngaï, je dis peut-être, je ne dis pas que c'est moi. Je voudrais dire ceci, que peut-être le ngaï, il y a la mort la ngaï. Alors, société dans Zambé, le bon temps pour la ndengeli. Tout a été conçu par amour. L'homme n'a pas été créé le premier jour. Dieu, par son amour, il a créé toutes les choses. Parce que Jordi m'a demandé, papa, il faut parler surtout de la pratique. Et je parle de Dieu au commencement. Il crée toutes les choses. Admettons pas ça, il m'a dit. Aïna Moukilo, Maya Koumé, Isaac. Ako Liani, Ako Vandawa, Ako Salani. Mais Dieu, par son amour, a tout créé. A Sali Nios, Moutoya Koukoutaya, et Salaya. Est-ce que ça est Tinda? Bien aimé dans le Seigneur. Et ça est Tinda. Koloye Sambi. Linga Moninga na yo. Lokola yo moko zali ko. Komi linga. La base en zambe pour na yo.
Ce que ça dit l'église, mais dans le vidéo, on va amener. Mais tout ça, la conférence. Zambé, Dieu est Dieu pour toi. Et nous, nous avons la chance de voir le fleuve. Alléluia. Tout le monde va amener. Alléluia. Nous avons la chance, nous en avons pour voir, il y a comment la fleuve, il y a moi, ils ont dit qu'on coulait à. Le fleuve ne coule pas pour le fleuve lui-même. Le fleuve coule pour nous. Mais ils ont dit qu'on tient la bonne à Yamou côté, mais ils ont tient la bonne à Bissot. Ah oui, si tu as besoin de Singa, Nanga, on a passé le monde à la zone où on dirait que c'était un avocat. Mais bien, on a fait pour nous autres dans Nanga, si tu as besoin de Savino, en face de l'église, dans notre parcelle, il y a un arbre que je vois. Il faut être un avocatier. Et avocatier, on a besoin de vivre pour la côté. Tu es ami le système d'amour. Même l'arbre produit les fruits pour autrui. Est-ce que vous avez compris de ma camoufle dans la vie? On se peut comprendre, mais dites à ma bonne, on va bien la séparer. Ils étaient essentiellement à Bolimo. Bolimo, le yango, et puis ça vous m'aille pas, il n'a pas, et puis ça vous m'aille pas, il n'a pas. C'est ça qui est donné dans le Seigneur. Si vous continuez à mon lit, ton pays ne va pas bouger. N'est-ce que. Papa a attiré moins dans la vie de son attiré moins dans la zone de la vie de la comprendre le type. Et moins dans le monde de la vie, attiré la peau et examiner la zone de la vie. Ce qui est mon idée, c'est de tourner par bouger à bouger et son zika. Et vous savez, on est dans le bouger et son zika. Parce que c'est de la zone de la peau. Alléluia. La bouger se brûle. La bouger souffre. Afin de donner la lumière. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, le principe de vie, de l'existence de quelqu'un est conditionné par autrui. Nous devons vivre pour autrui. Parce que l'homme est produit de la société et pour la société. Alléluia. J'ai essayé de griffonner quelque chose, c'est très important. L'amour, c'est la passion, c'est un sentiment qui naît dans l'homme. Si vous voulez lire, l'amour, c'est la passion que l'on sent envers une personne. Bolimo. Ezali, et l'on promoko, pour toi, Zali, pour yoka, kati, na yepe, Zali, pour yoka, moukona, moukona, moukona. Après que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. C'est le sentiment que nous avons vis-à-vis d'une personne pour les secourir. Donc, dans un prêt, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, au fond, l'homme doit se rendre utile par l'amour. Si tu veux être utile à autrui, pratique l'amour. Ce que l'ignorance a la mode à l'autruia et pas la moninga na yo, c'est la moninga. Mais nous remarquons maintenant dans la société humaine, l'amour n'existe pas. Et même dans nos églises, je parle de l'église universelle, je ne parle pas de cette église. Même dans nos églises, il y a des gens qui, par manque d'amour, par manque d'amour dans leur famille, à qui mène la église? Où y a qui mène la famille? Où y a qui mène la balabala? Aïe, beaucoup d'amour l'église. L'amour doit être au centre. Parce que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Et l'amour s'exerce naturellement, comme je l'ai suivi. Naturellement. Naturellement. Donc, et ça, il y a un mot pour Bodamin amour. Ce qui est au Poussani,
Bandeko, alléluia. Si vous poussez dans mon nom, vous avez les noms. Si vous avez un petit peu, vous avez un petit pour se protéger. Avant, on va casser un petit matin. Mais à quand il y a un misou. C'est l'instinct de protection. Quand il y a l'instinct de protection. Alors, ce qui nous dit déjà dès le départ à petit comme il bat là, c'est que naturellement, dans l'homme, c'est que naturellement, dans l'homme, il y a une très bonne dose d'amour que Dieu a placé. C'est une dotation. C'est une dotation de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'amour, alors il n'a pas Dieu, il n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Ah! C'est dommage que Jordi a choisi des pasteurs, mais je voudrais quand même donner de temps en temps quelques versets. Au cas où vous les permettez. De temps en temps, quand vous avez rappelé ma cambozan la Bible, est-ce que vous devez voir sur la Bible, attendre la Bible, est-ce qu'il y a un lecteur ici? Merci, merci. Toka, Ndenge, Bazali, Kotang, la Japon, on m'a donné 20 minutes, il me reste que peut-être 12. Total. 1 Jean 4, 1 Jean 4, verset 8. Tangiyango, Yoka de Monangai Makabo Isaïe, comme Makso Katikati Nabolimo, Eko Soukade Yo Nangai. 1 Jean 4, 8, la Bible dit. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Ce qui nous a porté au Lingate, nous devons. N'envoyez pas les armes de pour être armé à sa bouillie. Et celui qui nous a créé, il nous a créé Dieu. Parce qu'à l'hôpital Salamoukou, la loulengue n'a plus. Oh, lui est Dieu, lui est fort, lui est lumière, lui est puissant, lui est amour. Donc il nous a créé Dieu. Et bon, vous qui yo, au lingan d'un côté, de mon angaï, la famille n'a yo. Vous avez l'homme, la famille na yo, kakangai, kakangai, famille yo, tout ça sont les gars, et puis kakangai, 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 vous avez dit ça, mais. Et là, quand vous êtes de la tour, vous n'avez pas le mot, les amours, on l'est là. Quand tu es élevé, Dieu t'élève, ce n'est pas pour toi le sujet d'être orgueilleux. Quand on est élevé, la première chose qu'on doit chercher, si l'amour doit être agissant, c'est de savoir comment je dois être utile pour autrui. Alléluia. La seconde question que je voudrais poser avant que vous me posiez des questions, parce qu'à chaque fois que vous allez me poser la question, si je suis incapable, le pasteur va me seconder, sinon quelqu'un dans la salle peut toujours me seconder parce qu'il y a une complémentarité. Alléluia. Si je pose la question de savoir pour nos dirigeants qui ont été dans les mêmes écoles que nous, avec les mêmes moniteurs, professeurs, les mêmes écuries, les mêmes pasteurs, mais un jour élevé en dignité, alors je pose ma question, quand est-ce que l'amour quitte le cœur de l'homme? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Quand est-ce que l'amour quitte le cœur de l'homme? Je poserai cette question premièrement à l'organisateur. Donnez le micro à l'organisateur. Quand est-ce que l'amour quitte le cœur de l'homme? L'homme qui a vécu avec nous. Donc, maintenant, il ne met pas les mains. Les hommes ont cause. Vous voyez la porte de la vie aujourd'hui. Quel jour? Aujourd'hui que tu connais un bout. Quel bout? Moudi Amazon là-bas vers le cimetière de son âme. Quel cimetière? Dans l'hôpital qui a évité. Mais il y a un peu de temps que je papa à Zoom qui a ma cabonine. Quand est-ce que l'amour quitte le cœur de l'homme? Est-ce que papa n'a pas papa à ce qui a peine
Quand est-ce que l'amour quitte le cœur de l'homme? Oui. Bon, il y a un temps qui est pas mon ami, ou bien ce qui est. L'homme n'a pas. Donc, l'amour quitte son corps. Sinon, il y a aussi les gens qui pratiquent des choses vraiment qui sortent le diable, mais ils partagent. Merci. Bon, il y a un autre terme à l'oubli. Il faut pas exercer caca bon lingo. Alléluia. Amen. Mais ce qu'on il ne peut plus exercer l'amour. Mais à part ici, mais pour l'imango, c'est obligatoire. Même pas tout solo, bien aimé dans le Seigneur. Ba marabout, ba magicien, ba annonce, croix, ba pota na ba science, y a ma paix, ba zo sacrifié. Mais au moment où ma paix si dans l'hôpital. Et donc l'amour a été au commencement. Quand Moïse a dit au commencement, Dieu créa. Oh, nous avons défini, Dieu est amour. Donc au commencement, l'amour. Et l'amour a créé toutes les choses. Quand est-ce que l'amour peut nous quitter? Bien aimé, position à Lyon. Et le la boulimo 4 n'a été. Amen. Notre lecteur est là. Merci. Il soit toujours prêt. On nous parle des acquis de l'amour. Oh, mon tapoti qu'on soit, ce qui a sali le bolingo, ce qu'on peut obtenir après avoir exercé l'amour vis-à-vis de son prochain, à son prochain. Qu'est-ce que nous devons avoir? La première chose, selon Dieu, l'exercice de l'amour se manifeste en donnant. Bien-aimé dans le Seigneur, en donnant, en exerçant l'amour, ça nous procure l'abondance, ça nous procure des biens spirituels, ça nous procure des biens matériels, ça nous procure même les finances, ça nous procure même la protection. Nanzela ya kopesa tozana makapo ebele tokoti kozwa makapo ebele nanzela na kolakisa bolingo na biso nzoka nde bolingo na biso po totalisa ngo esengi topesa. Alors premièrement Nzambe ye moko so totali na Jean 3 verset 16 Bible elobi na biso Dieu a tant aimé le monde. Nous avons dit que nous avons dit après ce qui nous a dit, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Satan a conseillé nous. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons récupéré l'autre. Dieu a perdu l'homme. A tout dit que nous avons dit. Mais ce qui a récupéré l'autre dans la politique d'ensemble, dans la science d'ensemble. Dans les plans conçus par Dieu pour le salut de l'humanité, Dieu conçoit de donner d'abord son Fils afin de récupérer le monde par son Fils. Nanzela ya kopesa, il se fait de conçoit, d'une façon spirituelle, financièrement, matériellement, le lengue est béni. C'est comme cela quand vous lisez dans Romains 8, verset 16. Si nous lisons très bien Jean 3, verset 16, et que nous lisions Romains 8, verset 16, la Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais puisqu'on n'était plus enfants de Dieu, nous avons donné. Et pour avoir donné, il nous a récupérés. Alléluia.
Tu es la conférence à l'élo, tu es bête, 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 tu es bête. Mais quand on donne, dans un premier temps, faisons un effort de ne rien attendre en contrepartie ou bien en retour. Nous sommes dans l'église, dans l'église, dans l'église, dans l'église, dans l'église, dans l'église, nous avons eu mon dieu pour bénir mon katikati naie pour gagner l'asma, mais pour bénir mon dieu ni katikati naie. Tant monsieur vous en ayez été, tant monsieur la besoin la mon père maman pasteur, tant monsieur sous awa été, la que besoin la mon amour jamais. Mais là on a la salle awa, nous avons pas bénir mon akasabou. Alléluia. C'est très important dans l'applicabilité de l'amour, l'exercice d'amour vis-à-vis des prochains. Ezali Nambano est belé. Dieu a conçu le plan du salut de l'humanité en donnant Jésus-Christ. Et quand il a donné Jésus, et enfin, qu'est-ce qui est arrivé après? Le monde appartient à Dieu. Yonanga, Tosabana Nansa, Yapesa Ligaka, Motuse, Moko. Motuse Moko. Et tout le monde a dit que nous avons été méditer. Quand la piste va tomber, tu as dit que mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire. Au bout qui avocat, au bout de 3 jours, 4 jours, et béni. Le pasteur, serviteur de Dieu, ma pétition avocat au lien. Aussi, ici qu'on lit à avocat, au éthique. Ma belle harmonie. Mon cocoli. Et ça, il y a qu'on l'y a fait. Nous avons battu à mon bololo. Parce qu'il y a eu lieu. Il y a eu lieu. Il y a eu lieu. Il y a eu lieu. Et ceux qui n'ont pas battu à mon bololo, à mon lien, monsieur Nago, à mon lien, à mon bas, à mon nom, à mon souci. Dieu te connaît. On est manga, manga, c'est si la vie n'a pas souffert. Si on est tigre à la mabé, on est mon cocon. Bon, maintenant, on a pas foulé, on a la ligne des alacates. Mande, on a voulu, on a ensemble. Maman, on a mis sur Zoli, on a mis sur le bateau de l'honneur. Bateau n'a pas dit, on a l'honneur, on a mis sur sa ligne, on a l'honneur. C'est ça dans la praticabilité de toutes les choses. Tant que nous avons dit que ça, je suis épelé quand je suis dit que 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 1 Jean 3. Il est là, notre lecteur, 1 Jean 3. Du premier verset au deuxième verset. Jean 3, premier verset, deuxième verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous laissons, si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Bandela papa, bandela tanga madame, bandela sur la conférence. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Alléluia.
Et ceci procure beaucoup de protection et l'abondance. Makabwe komemilo makabwe bene ya kitoko. Tanga lokola tozana église, tanga lokola tozana conférence, batunyo so bayoka. La religion pure et sans tache et ambaya solo o ezanga faute devant notre Dieu, liboso na nzambe. Notre Père Tata Nabiso consiste à s'occuper des orphelins. Et de veuves dans leur détresse. Et à ne pas se laisser fuir par le monde. Alors, ils sont aux amis pas chrétiens. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie, c'est un mouvement. Tout ce qui est isme est un mouvement. Un mouvement de vie. Nous vivons avec Christ. La religion, c'est la meilleure façon de chercher Dieu. Alors, parmi nous, si on dit qu'on sait la religion, il y a madame pour l'ensemble. Premièrement, nous sommes là, nous ne sommes pas dans ma orphelin. Nous sommes là, nous ne pas dans. Ma veuve, au moins, n'a pas passé dans le monde. Je vais vous dire, ah, je n'ai pas de la vie. Je vais vous dire, secret, si vous voulez. C'est très important. Tu as beaucoup de choses à faire, tu as dit, ma sœur, tu as dit, Il y a une bénédiction qui vient verticalement et une bénédiction qui va horizontalement. Nous avons besoin de la veuve dans l'oiseau semblant, mais nous avons besoin de la veuve dans l'oiseau semblant pour la nini. Dissoudre ou dire, wap. Alléluia. Alléluia. La pire religion pour Dieu, elle consiste à chercher d'abord pour se trouver les orphelins. Ceux qui n'ont pas voulu avoir une monnaie, ah, il y a un adresse qu'on est calme, il y a des besoins comme un la possibilité, la carte, la mission. Vous êtes tremblés pour la nuit. La minute est coquée. Parce que ma modernité, parce que la carte, on a mon azote à l'eau. Alléluia. Je vais vous dire que les autres ont tremblé. Natika? Non. Donc, comme il y a un verset presque, il y a avant Yasuka, Lévitique 25, verset 35. Ancien Testament. Mon frère devient pauvre. Ce qui n'est qu'on a eu. A commis pauvre, manque de ressources près de toi. A Zangi, oh écoute, qu'on laisse à lui. Tu les soutiendras, même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré. Donc, qui aura terre à l'émotion, nous disons, ceux qui t'ont dit mal, en bas de mon français, en bas de français qui t'ont remonté, on a découvert rien. Je te remercie, je vais découvrir quelqu'un qui parle. Alors, il y a un lingo, mon toit, ami linga, yemoko, ami linga, peba linga. Mais ce qui est total, il y a un lingo, où est-ce que c'est un lingo? Tinda! Alléluia! Amen. Je pense que c'est ce qu'il a dit. J'étais compliqué de parler en français. Moi aussi, je parle en français. Bien aimé, la Bible est un lingo. Soko moni. Mon inga a commis pauvre, c'est calé. Et le biboye, ceux qui mon inga a commis pauvre, que ne vont tcholaye, le belaye, non. La Bible dit ceci, si tu trouves quelqu'un
de konayo mutu. Omoni pensa ke azali ya komi pauvre. Alo yo balula bise pai na ye ko sunga ye. Me ko sunga kaka ye de po ye mi ye. O ko sunga pe ye mo paya. Même l'étranger. L'amour doit se manifester même aux étrangers. Parce que l'amour, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, l'amour peut se manifester même aux étrangers parce que l'amour, c'est Dieu. Le bâton, l'amour peut se manifester même aux étrangers parce que l'amour, c'est Dieu. Il y aura toujours de pauvres dans le pays. Mais l'amour bien. Babola, babo salaka kaka. Est-ce que vous travaillez au Kinga? Reprenez. Il y aura toujours de pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ces commandements. Ouvrira ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère, la pauvreté dans ton. Alors, le colo de l'hôpital, il y a un abisso. Deux canards malades. Tant qu'on a cueilli content dans la dictionnaire. Dans le dictionnaire, et l'on va t'aider pour lui. N'est-ce que de mon abysse à l'obéissement, que pas de mon souci, pas de ma camoula bango. Ce mot d'aki amour, n'a y été intervenant du bon sommet à l'obéissement qui a monté pour aller l'équipe, bat à l'imposé à l'anata la puna, bat à l'égard à ma camoula, moi aussi n'a mon pas. Donc, mon lingo, papa, c'est encore là, mon lingo, c'est un lingo. Voici un kitoko, n'appelle pas un kitoko, Tony dans la biso, Batubazo mon ami, Nzoto. Nzoto. Mais Bible les a dit qu'on a sa biso que, ba pauvre, ba bola, ba kosalaka kaka, katikati na mboka. Dans ta famille, il y aura toujours des pauvres. Mais, les colonnes yo, nous en battions l'eau. Je suis en train de me dire que 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 je suis en train de soyez bénis. Soyez bénis. Je suis la conférence à l'église. Est-ce que papa Mokano a zalibade? Le prince de la paix. Alléluia. Ainsi j'ai terminé mon exposé. Relativement à ma kabaki awa, on comprend que. Pasteur a yé pour femme dit sa macabre sur le nappé sa kikao. A l'oubli à mon appété. Franchement, il y a des gens qui ont des dons hein, extraordinaires. Il y a aussi simplifié ma macabre dans le Il y a mon alloubli à mon citation de Bossé Zalpoy. L'amour du prochain sans l'amour de Dieu, c'est encore un corps sans ossature. On a dit, on a lu. La réprendre. On a dit, l'amour du prochain sans l'amour de Dieu, c'est encore un corps sans ossature. Qu'en dites-vous? La Bible est. L'amour du prochain est le sentier qui mène à Dieu. Qu'en dites-vous? L'amour du prochain est le sentier qui mène à Dieu. Qu'en dites-vous? Ce sont des affirmations, hein? Déclaration Patoua Alassane, Patoua Kanis, Patoua Moun, Nengue Trobaka, que l'expérience rend sage. Parfois, il y a quatre amours qui dit, Moun dit que non. Au niveau des exemples, les amours de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est à vous d'apprécier. Nous avons lancé le débat par la Bagoua. Yamisatu Peyasuka, le manque d'amour du prochain ne peut déboucher que sur une société d'égoïsme et de désespoir.
Qu'en dites-vous? Abati, ton bessie a mis ça, ton passé a été à la bougie. Lisanga oyo ezaki bolingo yebete egoisme ezali egoisme opimela pasteur babi église mon carmel mwanda papa omekana okokotisa biso na mozindo penza na mozindo na likambo ya état d'âme. Débis au bien ma verso Pessi, au petit septième mingi sur les pauvres. Bateau de combo sanatié, on a bien ma peut-être pas oublié. L'église du 20e siècle est soumise du sauté. Toyo qui peut aux oeufs qui est belé, ce qui fait que Bande Ponadi soba orphelin, ma veuve. Bazo souffrir lelo à cause ya ba enseignement na ba prédication. Nanya kotala bango. Nanya kokabola, nanya kokabela bango parce que bando ki bango. Batu ba fenga ka batu bango. Batu ba bloka ka batu bango. Retransmet à l'autre l'amour qu'on porte de soi-même. Et il a aussi expliqué qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'aimer comme il se doit. Maintenant, ma question est la suivante. Que faudra-t-il faire, nous, en tant qu'Église, corps de Christ, pour que ces gens qui n'arrivent pas à s'aimer convenablement eux-mêmes, à arriver à transmettre cet amour à autrui? Ça, c'est ma première question. La deuxième, est-ce que le manque de l'amour de soi est une prédestination ou un choix de l'homme? Merci beaucoup. Quotidien, quand est-ce que l'amour quitte une personne? Le Konangai n'a l'ingénieur tourne bien. Amour de Dieu, ouais, amour des prochains. Et bande si côté. Et banda ou ta kala, banda m'kili et banda ki. Ma kambo ya Jésus. Ah, wane to vandi, li sona bino. Soki ozana mawate. Ah, bisonyo soto awa. Nani amone nano, biro ya croix rouge, oza bazo futambon. Raison pour laquelle la roba ki, deba oyotu ki tisango na mnopambo kanabiso. Et j'ai aimé l'assemblée tant roba ki, papa, pour qui nous avons dans mon nom. Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut dire en français. Je n'ai pas pénétré le cœur de quelqu'un. Mais quand je l'ai dit à Lingala, on se comprend facilement et ça fait résonner tout le monde. Merci pour votre assistance. Je suis encouragé par l'intervention de celui qui avait dit qu'il a aimé la façon dont on a amené les débats. Le premier intervenant était là et le second est arrivé et que nous avons été à la hauteur. Merci pour les compliments, si c'est réellement les compliments, nous sommes dans la joie. Parce que nous avons dit 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 que nous avons dit. Amen. Je voudrais répondre à notre frère, le pasteur. Merci, l'homme de Dieu, à outil dans moi, dans la musique. Moi, Nambo, le secrétaire exécutif national, c'était moi. Donc, Nambo, t'as dit, Nambo, dit, ah, moi, kaka, Nambo, mike, otoye, maman, qui était papa, wana, abongi. Yamo, yo, kaki, makamu, susu, yaba, seigneur, voilà, papa. Qu'est-ce qu'il va pas mettre les micros? Nous sommes en train de répondre aux questions.
nous avons balayé certaines choses parce que les hommes de Dieu doivent être formés. Nous avons la question à yo. Si on m'attend un taxi, on te dit, chauffeur, état d'âme na yo ezanini parce que maintenant on a une pompage. Ok, on dit qui garde par la bobo, nous avons une pompage, on m'attend par la bobo. Nous avons une étape, on dit qui. Si on t'aime, on t'aime, on s'en est soukité, on s'en est cinglé, mais on dit qui, on s'en a besoin d'état d'âme. Bien aimé, nous avons pour Aligabisson. Premièrement, la Bible dit ceci. Quand le monde était dans le péché, katikati na masou, séparé de Dieu, c'est alors que Dieu n'a pas vu l'état d'âme de l'homme, Dieu a envoyé son fils. Ce qu'on dit au Sungamoto, l'état d'âme n'a été. C'est par manque de formation, parce que l'église n'a jamais, parce que même nous devons être utiles na bande qu'on a mis parce que yo pas qui cause la tête pasteur ngana ko pas qui cause la tête ceux qui maman mon côté na papa mon côté bazaki na bolingo basanga na ponga na na bino. Nous sommes les produits de l'amour. Et nous devons manifester l'amour. Au commencement était l'amour. Je pense que j'ai répondu en d'autres termes. Merci. Question Émile Balé. Ezali. Et c'est que l'église, Benza, est enseignée dans la notion d'amour. Parce que manque d'amour et manque d'amour de soi-même. Et c'est ça la paix. Mon père moyen, il a mon inga exacté. Est-ce que vous avez une prédestination, mon Dieu? Oui, la sagesse populaire dit ceci, l'homme est né bon, mais c'est la nature qui le rend. Alléluia. Moutapota marané malam, mais ma kamoya kuta la ranango. Ngaï nazu na pesi frère, Jordi. Au pesa na pesi, abimi wana bali au finanda. Yazo la tisani. Allez, frère journaliste, azoya, papa pesa ngana. Oh, il y a des bosses qui n'ont pas ici. Il y a des gens qui n'ont pas de soucis. Et c'est que l'Église est enseignée réellement sur l'amour. Nous devons absolument, ce qui doit être Deutéronome 6. Deutéronome 6, verset 4. Pas de l'enseignement. La Bible parle d'inculquer. Inculquer, il dit que moi, je suis en train de faire une notion d'ensemble. Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alors, tout le monde la banzambe nous soussouté. Oui, banzambe bazamboni. Nana l'obian. Bible nous. Banzambe Bazaboni. Très bien. Banzambe Baza et. Mais si on a Deutéronome 6, verset 4, Balomini. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Donc, ce qui Banzambe Moussous Bazali, mais Banzambe Wana, Bazana Bango, Banzambe T. Yoka Bible le Bible. Car, nana ne va pas la awa ne va pas la mort. Wapi mo moli moli azanakia. Wapi mo toi ne va pas la dingala. J'ai oublié nos enfants. Mais Batinda a confirmé ni organisateur. Maman pasteur. Yo me donne pas anglais nani. Ata yo pour monter les marques. Yo pour yo la France. Écoutez très bien. Pasteur, vous qui êtes là, il faut savoir bien enseigner, l'église. Parce que tu ne peux pas sur l'église. Car si l'un des êtres qui sont appelés Dieu, ceux qui disent que là, mon sou, c'est un ami Banzam, soit dans le ciel, soit sur la terre, ceux qui disent
que là vous êtes bénis, banzambe, ezala lola, ezala ame na ma bene. Comme il existe réellement plusieurs dieux, nous avons la solo banzambe baza et bele et plusieurs seigneurs. Bankolo bazali et bele, néanmoins. Kasipona biso, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, Zabé Maboko. Le Père, de qui viennent toutes choses, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Attaque Banzambe Bazali et Bélé Nano, la Bikena Mou et Bélé, Babengami Banzam, Awana Ser Mabélé, Babengami Nanzam, le Kola Banzambe Baza et Bélé. Ça c'est 1 Corinthiens 8, verset 5. Vous pouvez lire ça. C'est très important. Mais pour la mission de Bazali Kaka, Moko, on Zambé la mission à Aza, Bolingo, Toko Sangaka Bolingo Nanzam. Est-ce que Banzambe nous sommes à Baza Banzambe? Est-ce que Banzambe nous sommes à Banzambe? Alors, tant que c'est bon à Jérémie 10, pasteur Yomou de Routine à moi, Jérémie 10, verset 10 in à 12. Tout le campagne d'Anzambe, Koyana Makamabo, c'est très important. Jérémie 10, donc il m'a parlé verset 10 in à 12. Amen. Il y a un Dieu qui a dit Nzambe ya solo. Aza Nzambe na bomoi. Aza dit kumu ya seko na seko. Maintenant Nzambe maboko. La terre tremble devant sa colère. Et c'est que les mabélés, batbalen na liboso na kanda na Nzambe. Les nations ne supportent pas sa fureur. Batbalen na liboso na kanda na Nzambe. Vous leur parlerez ainsi. Mokoloba boye. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront. À la base, il y a ma disposition, ma kaboué tali bolingo. Et puis, que devons-nous faire? Et le connu, il s'est dit comme ça. Bande Konanga. Nzambaza Bolingo. Nzambaza Bolingo. Moutounioso Ayebi Bolingote, Ayebi Nzambete. Qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire pour mon kili nabiso eza la banam, la banda pour nabiso, tout la tisa Bolingo. Même moi, si na mobal, tout la tisa na Bolingo. Ouébi ma moussousou, ba palana, ba kenda dans la communauté. Papa l'a dit continuellement. Si tu as dit que tu as dit, si tu as dit que tu as pour la vie. Si tu as dit que l'État a dit, et si l'État a dit, il parle de la vie. Il parle de la vie. Parce que l'État, si tu as dit, il parle de la vie. 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 Mais il parle de l'État. Si tu as dit, il parle de la vie. Ah, il parle de la vie. Il parle de la vie. Il parle de la vie. Il parle de mon bali d'a beaucoup fait de bosso. Nana y'a bisou de moisi d'a beaucoup fait de bosso. Bilo qu'on a gagné au tic à la paille à moisi. Bilo qu'on a gagné au tic à la paille mon bali. Bien aimé dans le Seigneur. Ton ligne à la bisou. Ton vent à ma larme. Katika tinanda. Amen. Alors, j'ai aimé la question en déco. Sur la façon de donner. L'olingue ya kopesa. Vous savez, en français, on dit les données n'est pas nécessaire, mais c'est la façon de donner. Ce qui n'a pas de frère Jordan, nous avons un kazaka. Alléluia. Les données n'est pas nécessaire. Mais la façon de donner. Et quand il faut donner avec le cœur. Alors cette question ne devrait pas exister parce que la Bible est claire. Il y a à Pesakite, le lengue, il y a monté ma moko. Alléluia.
La meilleure façon, la religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Acceptons que la religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Alors, dans la façon de chercher Dieu, Malobi, tout le canal de Kosunga, ma pauvre, tout Sunga, ma orphelin, tout Sunga, ma veuve, tout Fungola, ma mort, mon abisso, l'imposon à Batoyo, ma zangi. Tu peux faire référence Jacques 1, verset 27, de mon Aguiyahu. Bien-aimé dans le Seigneur, la religion ne nous amène nulle part. Parce que Bissot, nous allons être chrétiens, nous vivons selon Emmanuel, qui signifie tout simplement Dieu au milieu de nous. Notre Dieu, on ne le cherche plus, notre Dieu est au milieu de nous. Mais la Bible dit ceci: si nous voulons réellement chercher Dieu, si nous voulons pratiquer la religion donc comment chercher Dieu, alors, religion à Malamo, tout le monde est orphelin, tout le monde est veuve. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Na minute au second minute, il y a papé cordon na biso ya Happy Days. Frère na biso aujourd'hui ma collègue l'organisateur. Hier à Colombie na biso lissou concernant vision na bango ainsi de suite. Tokoy bana kolanda ye. Donc toza spécial place au Vanduana. Peu importe les motivations que tu es venu, je voulais te dire que tu es spécial. Amen. Hein? Parce que Olandi et le coup est salamoutou, coup est abonné. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur. Avant tout, Kandeko, nous nous sommes Epidès. Nous avons été consultés par l'organisation, par l'État congolais. Nous avons reçu un officiel parmi nous. Nous avons envoyé l'invitation au président national de la jeunesse congolaise. Azam Kondi Munene Namboko. Amen. Les conférenciers ont dit Makamba Boye Bisouba Mikolo to Kende déjà. En d'autres termes, Mikolo et Sengeli pas d'après exemple. Et Sengeli va bâtir exemple et pas la Bisouba Gène. Amen. Donc, nous avons été consultés par le président du Conseil national de la jeunesse. Et puis, à l'occasion, comme il est aussi natif du mois de mars, à Sengakibisototine et Tobé fait sa invitation. Pendant quelques minutes, nous voulons recevoir son représentant qui est là parmi nous, parce que la conférence d'aujourd'hui sera médiatisée, et puis il a l'obligation aussi d'aller donner le rapport. Merci papa, nous t'accueillons. Ici le coordonnateur de la structure Epidei, distingués invités en titre de qualité. Bonsoir. C'est vraiment une immense joie pour moi de tenir la parole du haut de cette tribune pour parler concernant le Conseil national de la jeunesse dans cette assise de conférence de ce jour. Dans mon allocution, je parlerai de trois choses. Comme venait de l'expliquer le coordonnateur, il a dit que cette structure Epidès a été consultée par le Conseil national de la jeunesse. Et dans ce contexte-là, ils ont échangé avec les représentants de ce bureau du Conseil national de la jeunesse pour qu'ils soient présentés dans cette assise, cette conférence sous les acquis de l'amour. Alors, c'est quoi alors le Conseil national de la jeunesse? Parce que vous avez entendu parler du Conseil national de la jeunesse. C'est ça, en fait, ce que je vais parler dans le premier point de mon allocution. Et après, le contexte qui amène le Conseil national de la jeunesse dans cette conférence. Et je vais citer
par l'adresse du président du Conseil national de la jeunesse qui devait être ici avec nous. Je commence d'abord à me présenter. Je suis Maître Mathieu Dissinga de Merci, le conseiller national en charge d'emploi et entrepreneuriat des jeunes au Conseil national de la jeunesse. C'est quoi alors le Conseil national de la jeunesse? Je voudrais rentrer d'abord sur les contextes qui nous réunissent ici. Si je pose à chacun de nous la question pourquoi nous sommes ici, chacun de nous dira que parce que j'ai reçu l'invitation. Mais qui vous a donné l'invitation? C'est une association. Cette association est dénommée Organisation chrétienne Epidei. Voilà la raison pour laquelle je suis ici. Et vous avez bel et bien compris c'est quoi le Conseil national de la jeunesse. Donc Epidei, c'est un enfant du Conseil national de la jeunesse. Cette association qui nous a réunis ici. Mais dans quel contexte le président du Conseil national de la jeunesse que je représente devait être ici avec nous? Le cordon l'avait déjà annoncé. Il s'est fait consulter. Mais dans quel cadre il s'est fait consulter? Ce bureau-là du Conseil national de la jeunesse a fait une remarque. Les jeunes de notre pays sont délaissés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider la jeunesse congolaise à remonter leur niveau, à accéder dans les postes de position, à accéder dans les postes de décision, à accéder dans les postes qui vont faire en sorte que la jeunesse se retrouve comme il se doit? D'où la réponse est venue sur base de cette thématique de consulter tout ce qui s'appelle jeune. Voilà le contexte du Conseil national, des consultations plutôt nationales de la jeunesse congolaise. Donc il faudrait consulter tous les jeunes. Mais où est-ce qu'on va trouver ces jeunes-là? C'est dans les mouvements, les associations et les ONG. Et je vous ai dit que nous avons des ONG qui sont dans les confessions religieuses. Nous avons des jeunes qui sont dans les partis politiques. Nous avons des jeunes qui sont dans le débrouillardisme. Nous avons des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Et Epidei se fait enregistrer en tant que structure qui se trouve dans la catégorie des confessions religieuses. Et lors de cette consultation, le représentant de Epidei, notre coordonnateur, a échangé avec le président du Conseil national de la jeunesse. Puisque ce président-là, l'ambassadeur William Okamila, il est natif de Mars. Le cordon avec le président du Conseil national de la jeunesse ont voulu assez que le président soit représenté dans cette assise. Voilà les contextes qui devaient amener le président ici. Premièrement, pour montrer qu'il est le représentant de tous les jeunes et que cette activité, c'est une activité qui concerne les jeunes. Vous l'avez tout suivi même vous-même. Quand le premier intervenant l'avait annoncé, qu'il est face à la jeunesse, il veut transmettre la jeunesse, la matière sur la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est la jeunesse qui est le remède en quelque sorte de tout qui devait se faire dans notre pays. Donc le président du Conseil national de la jeunesse devait être ici premièrement pour montrer qu'il est le représentant de cette jeunesse-là. Et de deux, c'est parce qu'il est natif du mois de mars. Troisième point pour citer, je vais maintenant parler de l'adresse. Nous devons être solidaires, sympas, courtois envers ce type de gens que je viens de citer. Le Conseil national de la jeunesse est là pour vous appuyer, promouvoir tout ce que vous allez faire comme action caritative sur terrain. Parce que, comme je venais de le dire, le Conseil national de la jeunesse est là comme une interface qui joue entre la jeunesse dans son entièreté ainsi que le gouvernement ou le partenaire financier technique. C'est-à-dire, lorsque vous serez bité par des moyens financiers, techniques, administratifs, pour promouvoir des actions caritatives sur terrain, comptez sur le Conseil national de la jeunesse. Il fera le plaidoyer auprès des autorités, il fera le plaidoyer auprès des partenaires financiers techniques pour appuyer vos actions que vous allez faire afin de pratiquer le vrai amour sur terrain. Sur ce, j'ai dit et je vous remercie. Merci le président, le représentant du président national de la jeunesse. Et je voulais d'emblée comme ça vous demander, moi personnellement, j'ai besoin de rencontrer le président de la République. Si vous pouvez me faciliter de lui parler de Epidei, parce que c'est une vision que nous avons besoin à ce que est dans le monde des vies des Congolais. Nous ne sommes pas politiques, mais nous voulons que tous les présidents qui passeront dans ce pays, la vision de Epidei se pérennise dans nos familles, partout. Et puis cette vision-là que je vais bientôt expliquer,
multipliquer pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Si nous pouvons acclamer le Seigneur, et si vous pouvez vous parvenir cette demande, ça nous fera du bien. Parce qu'eux, ils ont la facilité comme ça de voir le président. Et mettons-nous que nous sommes, nous avons le président en quelque sorte devant nous. Amen. Hein? Amen. Nous bénissons le Seigneur. On a tant le tuboleka. Nous voulons expliquer un peu, en bref, Pandeko, s'il faut que je m'assoie, je m'excuse. Amen. Hein? Amen. Amen. D'abord, l'organisation chrétienne MPDES, son historique est née par les sentiments d'amour, les sentiments de compassion et aussi par les sentiments. Il y a des gens qui ont amour. Mon amour n'a pas si. Amen. Impidèse, pourquoi? Impidèse veut dire les jours de joie, les jours heureux, les jours de bonheur. Quand j'étais enfant, j'étais petit, maman me disait, je suis né les jours où, pour la première fois, le pape Jean-Paul II est venu ici au Congo. Ça, c'est le 1. De 2, je me disais, comme je suis né les deux mains, donc c'est-à-dire je suis un homme de deux pains et cinq poissons, suffit pour nourrir la foule. Amen. Ce sont Bamakambo de Badel Komi Lobe de la Katinama et créé, motivé par les sentiments de compassion, par les sentiments d'amour, et créé cette structure de Bengi, organisation chrétienne MPDES. C'est par cette attitude de joie, cette attitude d'amour, cette attitude il y a au moins la montée dans la passe comme mené les sungi, mais nami kolonanga ozala qui mikolo esengo, ça me poussait à aller poser maintenant des actes d'amour, penser à nos frères et sœurs qui souffrent. Ndeto bandai pour organiser toutes les rencontres, plutôt les rencontres de tous les heureux du mois de mai, parce que je suis né les deux mai. Amen, hein? Amen. Amen. Maintenant, il s'est avéré que nakata makanjuana na sangi si bandeko ya quartier ba camarade ndeto kei to badi ko sangana pour na ko luka ko kei lo ko moko boye mais na yo comprendre le kona na serviteur de Dieu. Cette vision l'amener dans le monde et comme ma cop l'amener dans le monde et comme ma kamabowe la ba kam tout ça. J'ai ramené cette vision à l'église et j'ai taillé ma veste avec mon pasteur Daniel Kaniki que j'aime beaucoup aussi. Et puis après, si je me conseille comment je dois évoluer avec. C'est alors que j'ai commencé à réunir tous les heureux du mois de mai, Tosangani, Tokumisi Nzambe, Tosangisi Babiloko, pour aller visiter ceux qui souffrent. Amen. Nos jours de joie, nos jours heureux, nos jours de bonheur, nous avons remarqué que Moutouna Moukolonaïe, c'est la facilité pour ça, la dépense facilement sans regretter. Maintenant, ce qui t'a orienté, il y a un moment où il y a un sengouana pour aller consoler nos frères et soeurs qui souffrent. Parce qu'à côté de celui qui se réjouit, il y a toujours celui qui pleure. À côté de celui qui est dans l'abondance, il y a aussi celui qui est dans la disette. Nous nous sommes dit, faisons de nos jours de moisson, faisons de nos jours d'anniversaire, faisons de nos jours heureux, de nos jours marquants de la vie, des occasions maintenant pour mobiliser les heureux de ce mois et enfin partager cette joie-là avec ceux qui souffrent, avec les démunis. Chacun des communs des mortels a zalakana mukolona et sengo. Même si on va aller à fêter l'anniversaire, mais il a toujours son jour de joie. Maintenant, nous voulons faire de son jour de joie. Monsieur est anniversaire à Libalanaye, monsieur est jour naïe à Liboso, à Botamon, à Naïe Liboso, à Bengaye maman, à Bengaye papa. Et ça, l'occasion pour lui, il y a aussi un petit appel de Moussous. Adana passe. Amen, hein? Amen. Voilà pourquoi nous voulons faire de cette vision notre mode de vie. Ne fête jamais ton jour de joie. Jour au sali kope simbi. Jour d'anniversaire, il y a moi, il y a mobali, il y a moutou, il y a lingara mingi. Qu'on fête mon karaté pour na yo, mon kona bato yo, et puis que, au bengi si, bambou, reko sepe na yo, to, basan, la bambou, l'intérêt, au l'homme, il y a aussi la bambou, fête, to sepe na mon kono, et sengo, na bandiko, basan, la bambou, dans le sens de semer l'amour, dans le sens de communiquer la joie, et puis dans le sens de restaurer l'amour du prochain et apporter sourire à ceux qui souffrent. Amen. Hein? Amen. Nous avons le but
de transformer ce monde de cupidité, d'égoïsme, de capitalisme à un monde de compassion. Nous avons le but de restaurer la gratitude, la joie et l'amour du prochain, mais à l'occasion de tous nos jours de joie, de tous nos jours heureux. Il y a des gens qui souffrent. Voilà pourquoi nous voulons maintenant une façon pour nous, l'instrument que Dieu nous a inspiré pour utiliser, pour amener notre soutien à ceux qui souffrent. C'est les jours de joie, c'est nos jours heureux. Amen. Hein? J'ai toujours dit que Nzambaba Kelamukili, il a utilisé sa parole comme un instrument pour créer le monde. Nzambe Kwabiki Samoudou, il a utilisé son fils Jésus-Christ pour sauver le monde. Maintenant, dans la mission aussi de restaurer l'amour, dans la mission de sauver les vies humaines à danger, dans la mission d'apporter secours aux orphelins, aux démunis, Dieu nous a inspiré d'utiliser cet instrument qui est nos jours de joie, nos jours heureux, pour qu'à chaque moment, nous avons multiplié Nicolas et Semoya Finayo, Bolam Père et Père Bandekoubazan n'a pas cité se multiplier. Voilà pourquoi je prie à Dieu. Nzamba multiplier mikolo esengo ya binayo ko bangalelo au nom de Jésus. Parce que nanzela mikolo no esengo o ko kanisela pauvre moko ne ko moko zoza na serein azoza na ekolo elo ko kolia na hôpital. Amen. Voilà pourquoi nous réunissons tous les heureux de chaque mois na kata action sociale. L'année passée, il y a des années to kenala na hôpital, na ba prison, na ba sika ba ndiko na pasi. Chaque rentrée scolaire, tu visites les démunis, les orphelins, tu visites chaque fin de l'année, les gens qui ont des difficultés, les gens qui ont fêté, mais ils ont des locaux qui ont fêté, 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 ça fait très mal. Quand on va fêter la musique, mais une famille, mon orphelin, démunis, voilà pourquoi il y a des mobilisateurs, il y a des moyens pour penser à cette catégorie de familles. Topé ça va moi coller à Pomela, bas va péser nous. Surtout Bana. Amen, ba maman. Moi, moi, na orphelin. Papa koufa, maman koufa. Hein? Na mon colonel, c'est mon papa, non somme les ketchup, non somme les lamba. Il s'est dit que, si que tu moi, na wane da jour, na anniversaire, na se pelisa moi, na wane na mon colonel, c'est mon, na za la papa na ye, na za la maman na ye, à l'occasion aussi de son jour de joie. Amen, hein? Toujours dans l'objectif de restaurer l'amour. Parmi nos activités, nous organisons des descentes vers nos frères et sœurs qui souffrent, et puis nous organisons des conférences, des rencontres, des colloques, nous organisons des moments de célébration, nous organisons des marches de santé, juste pour vulgariser, motiver les gens dans l'amour du prochain. Parce que la Bible dit, ça va se refroidir. Mais Epidèse a la mission, il y a pour chauffer les sous-sous au lingo. Parce que Bungite, sémence soit les alliés. Amen. Et Bungite, les alliés. Vraiment, c'était un peu ça la vision de l'organisation chrétienne Epidèse. Désormais, Bandeko, de partout au Rolanda Bisso, dans les réseaux sociaux, dans la télévision, place au Rolanda Bisso, dans l'auditoire, Bandeko, qu'on passe un jour et anniversaire, il y a moins dans la réalité sans passer un geste, sans faire un geste d'amour à un orphelin, à quelqu'un qui souffre. Pour passer jour et anniversaire, na yote ya moi si na yo moi na yote ya muto li na ta la poto. Comme il est cher pour toi, c'est ça sens na mukonaye sengo. Ome mali sungi kota la bande kota na passe. Voilà pourquoi tu le baka. Salamu epai na yomo ko place aux anandaku ou soit sur aux anatante. Tu peux consulter Epidèse parce que chaque mois de tout ça la va descendre sur le terrain. Na oyo moni malam ou ko assister bande kota na passe. Yambonde tout ça là. Amen. Vous pouvez consulter Epidèse et comme Malisungi na yo et pas y a Bandeko pas dans la base. Pendant après conférence na biso tout dans la programme samedi tout qui nous visiter Bandeko dans la base na ba hôpital. Voilà pourquoi tout aussi ma maman modérateur, la modératrice, on tient la biso corbeille moko pendant Omon Wana, c'est pas maintenant après pendant Omon Wana oyo ya yo et que nous sommes sereins et nous sommes dans la base. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis courtier immobilier, je vais peut-être pas être là. Moi, mon colonel, c'est que dans la journée, je suis en train de c'est ça mon métier, parce que tout travail procure l'abondance. Amen. Jour, je suis en train de faire
Moi, je soutiens les activités de l'organisation chrétienne Evidence. Il y a une émission qui est dans la télévision, dans la radio, partout. Voilà pourquoi on a ligné la salle à Moussala au moins à mon côté. On a ligné la salle à Moussala au Naïo. Jour où on a ce pélicio. Jour où on a Pambolio. On s'allie trop et simi. Tu peux travailler avec nous dans cette structure. Parce que la structure est belle, l'organisation est belle. Et belle, la commission, le la COP, la bango, la bango, la cortina. Et ça, la besoin de bango, tout ça. Nous ne sommes pas dans cela. Une façon pour nous de servir Dieu, c'est dans cette façon que nous voulons travailler, de mobiliser Bandeko. Attends, au temps pour la terre, nous avons comme la déposa ma passe. Amen. Attends, et puis d'ailleurs, que nous puissions péter, place aux alliés. Personne ne connaît pas comme pour les singo, il y a moins dans yo, il y a yo moko, il y a moins sina yo, pour na lokumu na nzambe. Amen. Samedi, tu as été visité par malade dans l'hôpital. Et puis, na rentré, na mois d'avril, nous allons assister des hommes de Dieu. Bande ko va serviteur de Dieu, belé, on va fléchir genou vers un abal, et va en souffrir. Bande ko va intègre, va en nzambe. Et puis, d'être pensé aussi, pour visiter des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Maintenant, avec eux, nous le faisons d'une manière discrète, sans tambour. Parce que les Seigneurs doivent respecter et honneur dans ma mort. Amen. Hein? Contribution à tous les heureux du mois d'avril et qu'on kenne vers les hommes de Dieu au Bada pour souffrir. Il y a un place les heureux, tous les natifs du mois d'avril. Tous les bénis du mois d'avril, tous les heureux, tous ceux qui sont mariés au mois d'avril. Bah on nous passe les comptes et 6000 au mois d'avril. Ça va se blesser au mois d'avril. Ça va être aussi la contribution là, parce que nous allons visiter les hommes de Dieu. Oh, il va dans un cadre de la situation difficile, mais bah pour écouter qu'à droit des nains. Amen. Hein? Avant. Toyamba, tous les heureux du mois de janvier, février, mars. Parce que la première rencontre, il y a l'an 2022, nous allons recevoir tous les heureux du mois de janvier, février et mars. Donc, maintenant, action autre que le samedi. Tu sens ici tous les heureux du mois de janvier, février et mars. Au Botama, au Bala, moi, dans la Botama, Bala, la promotion. Vous avez un souvenir, mon père, malade, mais Zambé. La vie, dans le mois de janvier, février et mars. Mobiliser Bandeko, samedi Tokende pour visiter Bandeko vers nos frères et ceux qui souffrent dans des hôpitaux. Attends 1000 francs, 2000, 100 dollars, 1000 dollars. Et les Kinongo, nous avons la possibilité. Et pour impressionner, nous avons mais fais ça avec amour. Amen. Hein? J'avais pensé aussi à Yako Loba, l'église, nous avons mis ton auditoire que Epidèse, nous avons besoin de porter. Tout ça, la difficulté à mobilité, le col à ma mobilisation, à moment où le Seigneur inquiète à moi, moto, tout mon moutouka, tout mon téléphone, tout mon crédit, tout mon méga, tout ce qui se fait, on n'a pas encore de partenaires. Tout ça, travailler, mais t'es pas dans le partenaire, non. Nous, nous travaillons pour s'aimer l'amour. Attendez, ce que tu peux citer, mais il y a ce que tu peux citer. Le bon quoi, il y a des échos, mon laï. Ce que partenaire à Boya, ça sera pour la gloire de Dieu, mais nous ne travaillons pas. Dans l'esprit, il y a des ONG chercher des partenaires, qui ont des moments, gérer mon nom. Nous, nous travaillons pour s'aimer l'amour, restaurer l'amour. Nous devons comprendre qu'il ne peut jamais vivre pour lui-même. Parce que dans les acquis de l'amour du prochain, l'amour procure le bonheur, la sécurité, la joie. Là où l'homme est aimé, il se sent sécurisé. Il se sent heureux. Là où l'homme est aimé, il se sent. Parce que c'est un milieu où il se sent aimé et puis il se sent sécurisé. Parmi les acquis de l'amour du prochain, l'amour procure la joie, la paix, la vie, la sécurité. Sans tenir compte de nos clivages politiques, de nos tribus, de nos ethnies, non, Bandeko. Dieu voit l'homme. Parce que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Donc l'amour de Dieu s'est répandu dans l'humanité. Donc tu n'as pas raison de choisir Mouto Yoko Lingato Yoko Boya. Parce qu'il n'est pas de ton tribu ou de ton parti politique, parce que dans Mouté Afachi, parce que dans Mouta Kabila, parce que dans Mouta Boye. Non, Bandeko. Et il faut la politique. Nous nous faisons l'amour de Dieu. Nous exerçons l'amour de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous avons besoin de votre accompagnement.
accompagnement d'Abino et Zosenga, tout passer mes missions, tout en la mobilité, tout en la secrétaire permanent, au Togo Fouta, va descendre sur le terrain, tout kende, va découper et qu'on salam alam, de près ou de loin, à tous les abattés, à tous les bandamboka, accompagnement na yo, na ba prière na yo, na contribution matérielle financière na yo, et qu'on permettre que structure oyo, et s'étendre dans le monde, et puis va m'aboté belé, va dire que l'anzela na yo, le colanzam va monaka, mi salé à koukou ya batou, à koumou na 1000 francs na yo, au pesa na koukou, au moukile mounate, au tokinek ou visite batou, boulam ou yoko ganga. Amen. Hein? Bon accompagné bisouna kata moussala oyo et kozala malamu mingi. Donc le samedi nous irons visiter les malades. Et puis, ce qui peut mouto ya botamana mouana, a lingete a organisé une conférence. Parce que botamana mouana, toi bala na mouana, a organisé une activité moko, ya mounene à l'occasion de son jour de joie. Au lieu qu'il a fêté na ba boîte, ko son massamba tu balangwa. Il veut. Hein? Faire de son jour de joie des moments où à réunir Batoukou parler de l'amour. Bandeko, Toko Zelayo, au Rokozoa numéro, on a vu peut-être ton boss à la Bopessa. Numéro, on a vu ce Rokozoa, Ezali 089 670 1257. 089 670 1257, ou soit 081 23 64 971. Nous sommes dans nos jours de joie. Pour restaurer l'amour, pour penser à nos frères et sœurs qui souffrent. Sur ce, nous voulons essayer un peu de faire quelque chose pour les mamans, Nakat na Oesika, à l'occasion, il y a clôture, il y a moi, de la femme. Voilà pourquoi, avant si ça, à l'occasion, le pasteur Babi, a collecté pour nous une lecture pour honorer toutes les mamans qui sont là. Et puis, ma maman, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, na Congo, Mobimba. Et puis, d'ailleurs, il y a une surprise pour Nabino, Boyoka, et puis vous allez bénir le Seigneur. Amen. Hein? Avant, il y a un représentant, il y a une structure, il y a une sikoyo, tout le monde a un groupe Caribou, il y a un groupe, après, mais du moins, il y a une lecture en particulier. Pour la maman, Nabiso, Bozana Katin Siko, ma maman, vous pouvez pas dans. Ah, ma maman, vous êtes là? Ok, tu es venu, pasteur Nabiso, Babi, Aza Koya, pour la collecte. Bon, là, attentivement, et puis vous allez bien. Ma maman, vous êtes pélité? Ma maman, dit va simbi, et puis des naissance, accroissement, coco, la nango, ce sont des mamans. Sauf que mon maman, c'est que mon bal, il n'est pas dans la bombe. Amen, hein? Mais. Ma maman ne va soutenir. Je remercie vraiment Dieu pour la maman Bazawa, surtout la servante de Dieu, maman Joël. Elle est là juste à côté. C'est une maman que j'aime beaucoup. Elle nous soutient. Elle est là en permanence malgré ses multiples occupations. Maman Lili Njuka, c'est une maman Oyo et puis des qui n'ont pas formé. Après, si on a formé les lots, tu as commis l'adresse, les lots, tu as quitté à peu de repé, ça va ton adresse. Bandeko, yopo ko osala obela bandeko basali. Amen. Et oyo osala osala mpona bisote, ko osala mpona Nzambe. Ba mama place ozali to betela susu Nzambe maboko makasi mpona oyo ozali bo bino ozali ozali fruit ya ma education pe ya ma sacrifice ozo osala mpona mabota pe mpona osala Nzambe. Na sengi mama modérateur sur ma protocole bazali ba tia corbeille ni balé. Achetiso, na ba chambre différente pour le coup Nzambe. Dans ma pambo la protocole, dans ma pambo la basse Nzambe, nous sommes soutenus qui vision au point. Patient, malgré ton bande qui retarde au zélie, Nzambe l'homme, Nzambe le serment, le Dieu qui est le Dieu d'amour. Amour d'amour, pour l'amour, quoi d'attaque et si koyo. Ben Nzambe, on constate Nzambe, paix sa réussite. Bitouma, nous sommes côté les ménayo, Nzambe longi sa yo. Zamba atinda mitema ya batu elinga yo. Et ça va faire le coup la Bible le bina. Proverbe 21. Le cœur du roi est un torrent d'eau dans la main de l'Éternel. Et il incline là où il veut. Zamba incline mitema ya batu à ta faveur. Zamba incline mitema ya batu à ta grâce à ta faveur. Obika bolam na Zambe.
on va soutenir la carte à discuter, la carte à vision. Il va bénir notre chemin de retour. Les enfants que tu as disposés pour venir écouter des choses qui constituent le soubassement de notre relation avec toi. Seigneur, c'est une nouvelle nature, une nature que tu as voulu imprimer dans nos cœurs pour renaître et faire renaître ce qui est en train de partir. Nous voulons revenir au bon sens, nous voulons revenir à notre premier amour. Nous avons écouté beaucoup de choses. Seigneur, nous voulons t'aimer davantage parce que tu as pensé à nous faire du bien. Merci, ô Dieu. Nous remettons tout un chacun de nous ici présents entre tes mains pour faire autre chose dans le cadre de la vision au nom de Jésus. Ouvre les voies. Ouvre les portes. Ouvre, Seigneur notre Dieu, des occasions pour eux de pouvoir avoir beaucoup de choses pour pouvoir organiser des interventions afin d'accomplir pratiquement leur vision. Nous te bénissons, Dieu, au nom de Jésus. Quand le pasteur priait, Dieu m'a dit, « Maman pasteur, il y a l'église sur Azawa, à Kenosimba Drapoana, et puis l'église va prier pour que Dieu répande l'esprit d'amour dans les cœurs des Congolais. » Est-ce que maman pasteur, tout maman si Azawa, Azate, est-ce qu'il y a une maman pasteur Azawa? Moi, c'est Moussa Nanzami Mokwazawa. Ok. Maman Simba, drapeau. L'église, nous allons élever le maire à Dieu. Tose Nanzami a restauré Bolingo Nakati. Yamitema et Bakondi Amboka. Bakambia Mangomba. Ba leader d'opinion. Maman Simba, drapeau Wana. Et que la RDC est la référence d'amour. Que Dieu restaure l'amour. Et que les effets de l'amour. Et mon Isamana Katnamboka. Élevons nos deux mains, prions à haute voix pour que Dieu restaure l'amour dans ce pays, dans des églises, dans des ministères de la RDC. Restaure ce pays. Restaure l'amour dans ce pays. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. N'en avons pas dit Sabango. N'en avons pas Sibango. N'en avons visité Bango. N'en avons pas Sabango. Dieu du ciel restaure l'amour dans ce pays. Les pasteurs vont prier. Tous les pasteurs vont élever les mains pour prier pour l'amour. Zamba restaurer. Mandevostikala qui va passer va fonder les Zambé. Zamba restaurer Bolingo. Namboka Congo. Naba Konsi Nabiso. Naba autorité. Naba directeur de l'école. Bon mot, j'ai un amour.